Romain Arnaudot est avec nous ce soir pour nous parler de son parcours à Roland-Garros, le meilleur de sa carrière en Grand Chelem. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous réalisez pour l'instant le parcours parfait avec votre partenaire. Oui, pour l'instant, c'est un très bon début. Et puis, c'est vrai que j'avais même pas beaucoup d'attentes en arrivant ici. Mais finalement, on est là, on est au troisième tour. Donc, je suis très heureux, surtout qu'on partage vraiment des émotions sympas avec le public ici. Parce que voilà, je joue avec Benoît Paire, qui est très aimé à Paris. Et du coup, le public est vraiment chaud. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de public derrière nous. C'est un soutien vraiment qui vous porte. Ce qu'il y a, c'est que moi, je joue en double, alors je suis un petit peu plus habitué à, entre guillemets, avoir moins de soutien. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout simplement qu'on joue au tennis pour avoir des émotions comme celle-ci. Et là, on passe vraiment des moments inoubliables, quoi. Au-delà du résultat, du coup, oui, évidemment, ça nous porte. Surtout que voilà, moi, je suis le partenaire de Benoît. Du coup, ils sont vraiment tous acquis à ma cause. Et voilà, c'est vraiment des moments très, très sympas à vivre. C'est votre première participation à Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce tournoi, Romain ? C'est un peu particulier parce que je connais très, très bien le site. Je me suis un petit peu entraîné ici. Je connais voilà, très bien. J'y suis beaucoup venu, mais je n'ai jamais participé. Je l'avais quand même fait tournoi junior, mais ça commence à dater. C'est il y a plus de 10 ans. Ça ne me rajeunit pas, d'ailleurs. Et non, mais voilà, je suis très content maintenant d'arriver chez les pros en double. Et, voilà, par rapport à mon parcours qui a été un petit peu particulier, j'arrive à prendre du recul par rapport aux résultats et vraiment à profiter de participer à un tournoi comme celui-ci. C'est pour ça que je profite aussi des supporters et des encouragements. Voilà. Romain, votre association avec Benoît Paire ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez fait de beaux résultats depuis le début de l'année avec lui. Ah oui, je suis très content de jouer avec Benoît. C'est vrai que grâce à lui, j'arrive à rentrer dans les plus gros tournois. Et c'est vrai que c'est particulier de jouer avec Benoît parce que voilà, il est un peu tout fou sur le court et les adversaires, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Voilà, du coup, moi, il faut le prendre un petit peu, pas au second degré, mais quand il est dans des bonnes conditions, c'est vrai qu'il joue très bien au tennis. Et moi, j'essaye de le porter. Voilà, et du coup, je m'entends très bien avec lui en dehors du court. Et franchement, on prend juste du plaisir. Et puis au final, les résultats suivent. Du coup, c'est vraiment sympa. Alors en huitième de finale à Roland-Garros, vous allez retrouver demain un joueur que vous connaissez bien, un joueur de la Fédération Monégasque de Tennis, Hugo Nice. Ça va être un match particulier pour vous ? Oui, c'est particulier. On se connaît très bien, évidemment. Et surtout de se rencontrer au troisième tour de Roland, c'est des étapes dans les tournois où on n'a pas forcément l'habitude d'y être. J'espère qu'on y sera de plus en plus dans les prochaines années. Du coup, voilà, dans tous les cas, je sais qu'on va profiter du moment présent parce que ça va être un super match. Et on joue rarement dans des ambiances comme ça, surtout les derniers temps où ça a plutôt été calme un peu partout sur la planète. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Bah, profitez bien en tout cas. Merci infiniment, Romain Arnaudot, d'avoir été avec nous depuis Roland-Garros ce soir. Merci à vous. Ouais.